Alors pour que le système juridictionnel puisse fonctionner correctement, il faut que les recours administratifs contentieux soient efficaces. Et pour cela, le juge doit pouvoir, dans certains cas, statuer rapidement sur un cas pour éventuellement paralyser une mesure administrative potentiellement grave. C'est pourquoi il existe dans la procédure administrative ce qu'on appelle des procédures d'urgence. Ce sont les procédures de référé. Les actions en référé ce sont des procédures d'urgence qui vont permettre de demander au juge administratif des référés, magistrat qui normalement statue tout seul et qui va juger tout seul, et eh bien ce magistrat administratif va pouvoir ordonner des mesures provisoires qui ont pour objet, qui ont pour finalité, qui ont pour but de préserver en urgence les droits des justiciables. Alors d'ailleurs, peut-être précisons-le tout de suite, ce qui est important, c'est que la décision que prend un juge des référés, c'est ce qu'on appelle une ordonnance. Par exemple, on parle de l'ordonnance du juge des référés. En droit administratif, il y a de nombreux référés. On trouve tout d'abord le référé suspension. Avec une telle action, injusticiable, va pouvoir demander au juge administratif de suspendre l'exécution d'un acte administratif. Se référer est très important parce que, en droit administratif, l'administration bénéficie de ce que l'on appelle le privilège du préalable. Et qu'est-ce que ça signifie Ben, ça signifie que les actes qu'elle prend sont exécutoires par eux-mêmes. Ils s'exécutent directement. Et donc, l'exercice d'une action en justice devant la juridiction administrative, ça ne suspend pas automatiquement l'exécution de ces actes pris par l'administration. Il n'y a pas d'effet suspensif du recours administratif. C'est pourquoi, pour demander que l'application et l'exécution d'un acte administratif soient suspendus, il faut donc saisir le juge des référés dans le cadre de ce référé suspension. Ensuite, on trouve le référé liberté. Il est vraiment très important. Cela permet au juge des référés de prononcer toute mesure, qui serait nécessaire pour la sauvegarde d'une liberté fondamentale, par exemple la liberté d'expression, le droit à la vie, eh bien le juge des référés va pouvoir prononcer toute mesure qui serait nécessaire pour la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté atteinte de manière grave et manifestement illégale. Et normalement, le juge des référés, dans le cadre de ce référé liberté, le juge des référés doit se prononcer dans les 48 heures de sa saisine, donc urgence. Troisième type de référé, on trouve le référé conservatoire, qu'on appelle aussi le référé mesure utile. Cela permet en fait à une personne de demander au juge administratif des référés de prendre une mesure avant même que l'administration n'ait pris une décision. Par exemple, si tu veux, c'est ce type de référé qui est utilisé lorsqu'une personne souhaite obtenir la communication d'un document qui nous est nécessaire pour faire valoir nos droits. Référé donc conservatoire. Quatrième type de référé, c'est le référé instruction. Cette action permet au juge, des référés bien sûr, d'ordonner, même en dehors de toute urgence d'ailleurs. Le juge pourra ordonner des mesures d'instruction qui paraissent utiles. Bah, tout simplement par exemple, le juge peut ordonner une expertise en cas de responsabilité hospitalière. On connaît par ailleurs un autre type de référé, c'est le référé provision. Cela permet au juge d'ordonner le versement d'une somme d'argent en cas de litige financier, en cas de litige pécuniaire, entre le requérant et l'administration. Cela est possible uniquement, et c'est ça qui est important, lorsque l'existence de l'obligation en cause n'est pas sérieusement contestable. Donc se référer est possible lorsque l'existence de l'obligation en cause n'est pas sérieusement contestable. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que la personne qui souhaite obtenir cette somme d'argent, cette provision, eh bien, elle devra démontrer que de manière suffisamment certaine, l'obligation en cause existe. Par exemple, la partie va démontrer que les conditions d'engagement de la responsabilité de l'administration sont réunies, et donc elle a le droit à cette provision, elle a le droit à cette somme d'argent. Enfin... On trouve le référé précontractuel, c'est une procédure assez euh, banale. C'est une procédure qui va permettre aux juges administratifs des référés de prendre en référé des mesures d'urgence pour prévenir des illégalités qui pourraient survenir lors de la conclusion d'un contrat administratif. Par exemple, un candidat à un marché public pourra rapidement agir en justice pour démontrer que, par exemple, la procédure de publicité la procédure de mise en concurrence n'a pas été super bien respectée. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec ce référé précontractuel, eh bien, ce recours est formé avant même la conclusion du contrat en cause.